Ma fille, 28e. Pierre, tu veux sonner? Il y a un beau ding-dong. Il n'y a personne. C'est mort ici. Ces cités nouvelles, les noms, c'est les myosotis, les bleuets, ouais. Les glycines. Dans des endroits de merde. Dans des endroits où il n'y a pas une fleur souvent. Bonjour monsieur. C'est quoi ça? C'est quoi comme fleur? Ah bah je suis pas horticulteur moi. Je suis animateur, bonjour. Il va savoir, c'est quoi votre prénom? Votre ami Pierre, là, il va savoir, oui. C'est quoi ça comme Pierre? Une belle pivoine. Dahlia. Ah Dahlia. Ah, vous pouvez rentrer, oui. Côté. Vous pouvez rentrer? Rentrez où? Chez vous? Faire quoi? Bah c'est pas discuter le monde gras avec Pierre. Ah. Je vous amène Pierre Pérez, vous allez pas nous laisser dehors comme des merdes. Allez, on y va. Deux minutes. Bah non, on est pas pareil, hein. Comment ça s'appelle? Vous allez voir un petit peu ce que ça va nous coûter, hein. Qui est ça? Vous me reconnaissez pas? Je suis le voisin d'à côté. C'est quoi le prénom? Bonjour. Voisin d'à côté, non mais... Je peux éteindre la télé? Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre Pérez, bah si, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça va, il m'a sauté dessus, ouais, je dis rien. Je vous amène Pierre Perret, vous me dites qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Non, mais pourquoi? Mais non, mais je... Mais c'est Pierre Perret? Mais oui, je sais bien, oui, mais... On n'a rien à vous vendre. Ben, c'est pour vous faire coucou, ça vous fait plaisir? Là, je comprends plus rien. Vous venez quoi faire par là, alors? Racontez-moi. Ben, à votre avis, on est où ici? Juste venir nous voir, c'est tout. Oui. On est où? Ah, ben oui. Pierre Perret, à Saint-Pierre. Il faut dire, c'est quand même fort, ça. Voilà. Mais Pierre Perret, Saint-Pierre de Perret. Oh, Oh là 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 là. Ça y est, alors là, vous l'avez détraqué pour toute la soirée. Attendez, il y a une geste dans le jardin. Ah oui, Saint-Pierre du Perret. Vous n'aviez jamais fait le rapprochement? Franchement, non. On peut s'asseoir? Oui, fermez les gens, ils vont se demander. Mais les gens sont cons. Mais pour quelle occasion et pourquoi? Je comprends plus rien. Vraiment, je suis... Mais on va se mettre au salon, là. Mais et pourquoi et quelle occasion? J'en sais rien, c'est parce que j'étais fermé les volets. Ça doit être la première fois de ma vie que je ferme les volets. Et il faut jamais fermer ses volets. Ça attire les vedettes quand on ferme les volets, c'est une connerie. Faut mettre un répulsif anti-vedette, hein, sinon vous allez t'emmerder tout le temps. Hein. Je crois qu'il y a Adamo dans le jardin qui gratte. Oh non, mais vous voyez, l'histoire... Il est bête. Florence, on se met sur le canapé? Il y en a pour deux minutes. Hein. Oui. Allez-y. Ah non, pourquoi? Non, bah, quelle occasion? Oh. Ça vous fait plaisir, Florence? Il mange pas les poissons. Mais oui, mais je comprends rien. Pourquoi À quelle occasion vous alliez dire? Donc, on sonne chez les gens, chaque jour, avec un invité différent. Et aujourd'hui, c'est Pierre Perret. Vous n'avez pas eu de bol? Mais non, au contraire, je suis ravie. Non, c'est pas ça, mais pourquoi quel... Je ne comprends plus rien, je suis perdue. Mais cherche pas à comprendre. Bon, bah, il est là, il est là. Il... Mais pour ce... c'est pour cette émission, c'est tout. Ah, je passe pas la télé, à la honte. Vous allez venir vous dire bonjour. Oh là là. C'est pas la télé, ça, c'est la radio, t'en sais pas. C'est bien normal. C'est pas début décembre, t'as pas été rien dire. Mais j'ai rien dit, pour une fois que je ferme les volets, la prochaine fois, je ferme plus. Qui vous a fait la surprise alors? Attends, je fermerai plus. Mais je sais pas, pourquoi, quelle occasion? Qui vous a fait cette surprise, Florence? Attends, moi j'ai rien fait, j'ai rien dit. Alors, Est-ce que ça vous fait plaisir au moins? Mais je. Ben oui, c'est mais enfin pas bon, ça, on, je on s'attend suis... pas à ça. Il est non, sûr. Non. Vous êtes déçu? Non, mais bien au contraire, moi. Ah non, ah, ben quand j'y crois même. Pas. Je voulais pas lui faire de la peine, moi. Non, je comprends plus rien. Les gens, ils vont se demander qu'est-ce qu'on a fait. Ils feront ce qu'ils voudront, ils diront. Alors, à qui vous devez cette surprise? Mais il est en train de mettre le doute, là. Débrouille-toi avec lui, maintenant. Moi, mais non. J'ai rien fait. Je te dis, c'est parce que j'étais fermé les volets. Ils étaient chez le voisin là-bas, j'aurais pas fermé les volets, ils seraient passés tout droit, certainement, je sais pas où. Non, on était en train de leur mettre le souk, là. Hein. Pourquoi tu veux l'accuser absolument, le pauvre? Il est pour rien, il va... Qui a envoyé une carte postale? C'est pas moi. Hein. Celui qui l'a envoyé, il l'a fait à notre insu, alors. Alors? Qui? Ben, dites-moi le nom. Non, je vous dis, on passe au hasard chez les gens. Ça s'appelle ding-dong parce qu'on sonne au hasard.
Alors Florence, il est à vous pour 2-3 minutes, posez-lui des questions, tout ce que vous regrettez de savoir. Je vous aime beaucoup, que vous êtes, vous avez des chansons super sympas. C'est gentil tout ça, écoute. Ma maison. Vous connaissez sa dernière chanson? Non. Qui s'appelle... Bah, écoutez, depuis qu'on est à la retraite... Ça s'appelle Pourquoi? À quelle occasion? Tu veux la fredonner C'est pas tes franchines qui ont été faire ça, quand même. Mais non, putain, mais non, t'en fais pas. Peut-être vos filles. Mais je t'ai dit Marie-France que non, est quand je suis parti en course, il sonnait au bout, là. Pas tous les jours. Et là, c'est pas... Ah, j'en crois pas mes yeux, je suis vexée. Mais qui c'est qui nous a fait cette... Mais personne, je te dis. Mais j'en crois pas mes yeux. Pourquoi nous? Je te dis, je ferme. Encore, je te dis, les volets, c'est moi qui les ferme habituellement. Et je les fermerai plus maintenant. Vous voulez qu'on fasse rentrer Adamo ou pas? Ça vous ferait plaisir? Faire sortir qui? Adamo. On a Adamo dans le jardin et Hallyday dans la voiture. Ah non, vous laissez, on préfère... Pierre. Ouais. Tac. Voilà, vous nous le laissez. Tu t'es bien pris dans les dents, ça. Pierre Perret à Saint-Pierre-du-Perret. À Saint-Pierre-du-Perret, c'est quand même... Hein, quand même logique. Oui, mais ça, c'est un truc que j'avais jamais fait de reproche, moi. Eh ben voilà. Et moi non plus, avant qu'il m'appelle en PCV, là, pour me dire, est-ce que tu veux passer dans mon émission non, mais... À Saint-Pierre-du-Perret, Pierre Perret, ben d'accord. Voilà. Elle est bonne, celle-là. Oui. Bon, bah, tiens. Enfin, déjà, si elle me remercie à moi... Ah oui, puis de vraiment de tout cœur... C'est qu'elle n'est pas si contrariée que ça. Non, elle est contente. Mais au contraire, je suis tellement... Je suis pris au dépourvu. Oh, ma maison qui n'est pas rangée. Oh, ça, c'est pas bon, vrai. Allez, on va faire le ménage. On va ranger la maison, parce qu'on ne va pas laisser une maison comme ça, quand même. Je vais faire engueuler, moi, parce que demain, on va dire... Les gens du quartier vont dire... Qu'est-ce qu'on a à faire, les gens du quartier? Oh là 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 là. Non, papa, mes yeux. Oh, c'est la honte, ça. Au revoir, Florence. Vous faites la bise à Pierre, parce qu'on va partir. Ah, ben oui, puis je vais même vous la faire aboutir. Au revoir, Florence. Merci beaucoup. Au revoir, Florence. Trop mignonne. Non. Merci de votre accueil. Oh non, écoute, les gens, ils vont dans le quartier, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe.